les granulocytes. Historiquement, les chercheurs classaient les cellules en fonction de leur apparence au microscope, souvent à l'aide de colorants. L'hématoxyline et l'hyoscine sont deux colorants sensibles au pH, couramment utilisés en combinaison pour distinguer les types de cellules dans les frottis sanguins et les tissus. Le colorant basique, hématoxyline, lie les acides nucléiques, les colorants en bleu, et le colorant acide hyoscine lie les protéines dans les granules et le cytoplasme, les colorants en rose. Les granulocytes sont des leucocytes ou globules blancs. Ils se répartissent en quatre catégories principales en fonction de leur aptitude à fixer tel ou tel colorant. Les neutrophiles, les éosinophiles, les basophiles et les mastocytes. Les granulocytes ont des noyaux multilobés, les rendant facilement distinguables des autres globules blancs, les lymphocytes, dont les noyaux sont ronds. Les sous-types de granulocytes diffèrent par les caractéristiques de coloration de leurs granules cytoplasmiques qui contiennent une variété de protéines aux fonctions distinctes. Le cytoplasme des éosinophiles contient des granules qui se colorent d'un rose brillant, alors que les basophiles contiennent de gros granules basophiles qui se colorent en bleu foncé. En revanche, les granules des neutrophiles ne se colorent pas fortement avec les deux colorants. Et enfin, les mastocytes ont un grand nombre de granules cytoplasmiques dont le contenu est similaire à celui des granules des basophiles. Ils se colorent également en bleu. Les neutrophiles constituent la majorité des leucocytes circulant chez l'homme adulte et sont beaucoup plus nombreux que les autres granulocytes. Ces cellules sont abordées dans des vidéos à part entière, en tant que des cellules phagocytaires. Les éosinophiles, les basophiles et les mastocytes sont trois types de cellules jouant un rôle important dans les réponses immunitaires qui protègent contre les parasites, mais aussi dans les maladies allergiques.